la poussée du Craft Universe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une personnalisation du jeu Clash of Clans, un truc qui est assez rare à faire, enfin je dirais quasiment jamais, enfin, je dirais jamais vu plutôt sur YouTube. En effet, j'ai jamais vu ce tuto-là, je l'ai moi-même découvert si je peux dire. Parce que c'est pas moi qui crée le jeu, mais j'ai trouvé une astuce pour personnaliser ses sons Clash of Clans. Donc je fais une toute petite ellipse et je vous retrouve sur Clash of Clans. Voilà sur Clash of Clans, prêt à attaquer avec Clé et Barbare. Bien sûr, ce n'est pas mon vrai village, ça c'est juste que j'ai recommencé Clash of Clans une fois l'APK modifié installé. Donc jusque-là, les sons ne changent pas. Mais là, je vais poser un barbare. Écoutez bien. Voilà. Le son a changé, c'est formidable. Mais vous pouvez faire encore plus. Comme par exemple, mettre le bruit des canons. Enfin, le bruit des canons qui tirent. L'inverser avec les archers. Qui tire, les tours d'archer qui tirent. Qui pète est vraiment complètement défoncé, complètement loufoque. Donc comme vous entendez, ça marche très très bien. Et ce n'est pas ni un montage, c'est tout ce que vous voulez, c'est vraiment la réalité. Maintenant, passons à la pratique. Donc, pour ce faire, il vous faut l'application ZipSigner, que vous voyez juste ici. Un gestionnaire de fichiers. Et Explore, excusez-moi. Et il vous faut aussi la musique que vous voulez mettre en .ogg. Très important. Si vous mettez ça en .mp3 ou mp4 ou m4a, ou tout autre, ça ne marchera pas. Donc ça sera un point OGG. Donc pour commencer, il vous faut aller dans Explore. Enfin non. Il vous faut avant enregistrer l'application pour la modifier. Mais moi, je l'ai déjà fait. Donc pour faire ceci, si vous voulez sauvegarder, vous devez aller dans l'onglet Application, puis sélectionner l'application, puis sauvegarder. Puis vous rendez dans Explore. Une fois que vous êtes dans Explore, vous êtes sur votre dossier comme ceci. Et vous cherchez Backups, puis App. Et là, vous aurez Clash of Clans 7.200.19. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous avez un tas de fichiers qui apparaît. Donc, vous cliquez sur Assets. Puis Images. Et là, vous aurez toutes les musiques. Donc, vous avez qu'à acheter une musique et la remplacer. Mais, il faut reconnaître les musiques. Donc, je fais une petite ellipse. Le temps de décider quelle musique je vais changer et je vous dis à tout de suite. Pour ma part, je vais changer celle-ci, Combat Musique. Celle que j'ai déjà modifiée auparavant. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos musiques. Moi, en l'occurrence, j'ai un dossier qui se nomme Music Maker Jam. Grâce à une application sur lequel vous pouvez créer votre propre musique. Donc j'en ai plusieurs, comme par exemple celle-ci, une musique d'Halloween. Excusez-moi, ça s'est mis sur en Bluetooth alors que je ne voulais pas. Donc voilà. Donc ça donne ça. Le visage, inquiétude, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc j'ai aussi celle-ci. Je vais mettre celui-là. Donc pas bête de me demander si c'est ma tête qui est en photo. Ce n'est pas ma tête. Je ne sais pas à qui appartient cette tête. Simplement, ça doit venir du logiciel de Explore qui met ça dès qu'il y a un truc différent ou je ne sais quelle connerie. Voilà, donc, vous copiez le texte. Qui est le nom de la musique que vous voulez changer.
Maintenant, vous restez cliqué dessus et vous faites copier. Puis écraser. Comme ça, le logiciel a la validation, comme quoi il a le droit de remplacer le fichier qui existe déjà dans le dossier qui s'appelle Clash of Clans, enfin, plutôt dans Assets, puis Musique. Donc, si vous avez des questions dessus dans les commentaires, vous pouvez me les dire. J'y répondrai quand je pourrai, mais j'essaierai d'y répondre. Donc, une fois que c'est fait, vous avez aussi le dossier SFX avec toutes les musiques du jeu en .ogg que vous pouvez aussi modifier. Mais pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, je ne vais pas les modifier. Donc, maintenant, vous aurez besoin de ZipSigner, qui lui nécessite le root. Donc pas la peine de faire ça si vous n'avez pas le root, sinon ça ne marchera pas. Cette application là sert à signer l'application pour que vous puissiez l'installer après dans le système. Sinon après il vous dit qu'il y a une différence de signature. Donc vous choisissez puis vous faites sign the file. Et là, il y aura un chargement. Donc, je fais une toute petite ellipse parce que le chargement est assez long, comme vous pourrez le voir. Donc, petite ellipse. Une fois que votre fichier est signé, il va vous afficher un message. Il va vous afficher signe the file, opération succède. C'est-à-dire que l'opération s'est bien déroulée, qu'il n'y a eu aucun souci. Donc, maintenant, vous devez désinstaller le Clash of Clans que vous avez. Puis vous installez la version qui s'est créée, la version signée. Donc pour reconnaître la version signée, il y aura marqué Clash of Clans, espace, signe the file, etc. Enfin non, signed plutôt, excusez-moi. Donc je vais tout de suite vous montrer ça, si le téléphone veut bien. Donc vous vous rendez dans gestionnaire du fichier, je vais le préciser, puis dans l'onglet que vous voulez, si c'est dans la carte SD ou dans la mémoire interne de votre téléphone ou externe, comme vous choisissez. Donc après vous allez dans Backups, sauf que moi j'ai fait une connerie, voilà, donc je disais Backups, puis App. D'ailleurs un petit temps de chargement parce qu'il y a un nouveau fichier. Là, vous aurez la version de Clash of Clans qui n'a pas été signée, comme vous pouvez le constater. Donc, si vous installez celui-là, il ne marchera pas. Et si vous installez celui qui est juste au-dessus, où il y a marqué signed.apk, et ben celui-là va s'installer parce qu'il est signé justement. Donc, voilà l'installation de l'application. Puis après, nous allons passer au test final. Donc, petite annonce pendant que c'est chargement, pendant 3 semaines, enfin, oui, pendant 3 semaines, je serai en stage, en menuiserie. Donc, je fais de grands horaires. Donc, je n'aurai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc, peut-être que j'en ferai pas, peut-être que j'en ferai. Mais pour sûr, j'en ferai le samedi et le dimanche. J'en ferai peut-être plus le samedi et le dimanche. Mais pendant la semaine. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ne vous attendez pas à une vidéo, par exemple, le lundi, alors qu'il n'y en aura probablement pas. Peut-être qu'il y en aura une, je ne sais pas. Je verrai selon les horaires auxquels je termine, etc. Donc, je referme la parenthèse dessus. Et pendant que j'y suis, avant de refermer la parenthèse, n'hésitez pas à checker la chaîne ou à vous abonner, comme ça vous serez au courant pour savoir s'il y a des vidéos. Donc je poste souvent des vidéos, donc si vous en voyez pas, c'est que il n'y en aura pas. Donc peut-être qu'elles seront sur YouTube, qu'elles seront posées vers 21h, 21h30. Désolé pour ceux qui trouvent ça tard, mais je ne peux pas faire mieux. Donc maintenant on va procéder au test de Clash of Clans.
Donc je fais une petite coupure, le temps de redémarrer le logiciel qui filme, car je n'ai pas trop envie que le logiciel s'arrête pendant que je filme sur Clash of Clans. C'est un petit problème que j'ai découvert ça pendant que j'ai filmé, juste avant. C'est pour ça qu'il y a eu ces ellipses, pour éviter que ça fasse trop long. Donc je fais une toute petite ellipse et je vous retrouve sur Clash of Clans. Je trouvais plus mes mots. Voilà sur Clash of Clans. Afin de faire le test, donc là j'ai recommencé le village et depuis le début. Au lieu de retourner sur mon clan, même si ça marche aussi, et j'ai un peu la flemme, enfin je déconne, c'est que je voulais tester comme ça pour bien vous montrer, afin de finir la vidéo et l'upload le plus vite possible, afin que vous pouvez le voir, pour éviter que la vidéo soit trop tard. Parce que là, quand je filme, il est déjà 21h15, donc la vidéo sera pas avant 22h sur Internet, enfin sur YouTube plutôt. Donc on va attaquer. Jusque là, ça change rien. Et là. Et voilà, la musique que je vous appelle à mettre, et bien sur Clash of Clans. C'est bien celle-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, c'était le Craft Universe. Bye!